Salut à toutes et à toutes, c'est Tisvali, on se retrouve pour les tutos Trickshot sur Xbox One. Donc on est sur AW, sur une map d'un DLC. J'imagine que vous la connaissez, je ne me rappelle plus du nom. Super, on commence bien la vidéo, super. Donc alors, pour commencer, je vais vous présenter la classe qu'il faut, donc le Morse. En accessoire, la lunette à cog, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre la cog, la lunette thermique, c'est juste en décoration pour rendre le truc plus sick quoi. La XMG, il faut mettre sur un moment pour mettre la XMG. Vous pouvez aussi mettre le sac 3, c'est le même effet, ça peut marcher avec les deux. En atout, vous mettez poids plume, main leste, robustesse, grenade paralysante, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre le bouclier qui dure pas longtemps. Et vous pouvez mettre aussi les... Bah, par contre, il faut mettre les drones à pointe. Et les drones à pointe, je préfère quelque chose avec ça. Vous pouvez mettre aussi les grenades paralysantes. Ou ce que vous voulez, quoi. Bah, pour switcher, quoi. Donc, pour commencer, on va commencer par faire un insta swap. Donc, un insta swap, c'est quoi? C'est YRBY. Ça permet de switcher sur l'arme précédente, quoi. Plus rapidement. Mince. Plus rapidement, quoi. Donc, voilà. YRBY. YRBY. Hop. Enfin voilà, je vais juste faire l'effet. Donc en fait, quand vous allez faire l'insta swap, vous allez faire tout de suite double Y. Donc insta swap, double Y. Vous avez vu, la main gauche arrive avant la main droite. Si vous avez bien vu, je recommence. Insta swap, double Y. Vous avez vu, ça peut faire des effets différents. C'est plutôt aussi comme truc. Hop, vous avez vu, très sympa. Donc ce qui est bien avec cet effet, c'est que vous pouvez le faire en l'air. Donc ça rend un truc comme ça normalement. Ah, évidemment, je vais pas y arriver. Ah, bon, je vais essayer de vous faire un vite fait là. Hop. Oh, bon, j'y arrive pas. Je galère. On peut dire, je galère. Ah, voilà. Bon, je l'ai fait. Vous avez vu, ça a été juste un petit moment. Mais en cam, c'est super sick. Donc là, on va passer directement en cam que j'ai réalisé. Comme ça, ça va vous permettre de voir plus facilement l'effet. Donc voilà. A tout de suite. Donc voilà, ce tuto est déjà terminé. Donc si vous avez des petites critiques constructives, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous. Et aussi, je voulais vous dire aussi, si vous avez rentré cet effet en cam finale ou en partie privée, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse qui va être dans la description. Voilà, et je vous remercie pour les 900 abonnés, bientôt le 1K, ça fait super plaisir, on vous remercie tous les membres de la team vous remercie, et on se retrouve pour un prochain tuto, je serai la prochaine fois avec un membre de la team. Voilà, c'était Tisvali, et on se retrouve pour un prochain tuto, bis.